Bonjour, vous êtes avec Julien Jousse, je suis directeur de l'Académie Icar Experience et vous regardez The Bunking. Alors, on est à Icar Mirabel. On va parler de Icar Experience. On est avec un des instructeurs, Julien. Comment ça va, Julien? Très bien. Enfin, en l'occurrence, je suis le directeur ici de l'académie. Donc, en fait, c'est moi qui manage justement tous les instructeurs. Tous les instructeurs. Donc, voilà, je m'appelle Julien Jousse. Et donc, ça fait 4 ans que je suis arrivé ici. OK. J'ai fait à peu près 10 années de compétition en automobile. Puisque où est-ce que tu étais avant? Je suis français, je viens d'Europe. Oui, mais c'est ça, on voulait savoir, c'est quoi ce compétitionnaire là? J'ai roulé en fait dans pas mal de séries, surtout je démarre à la monoplace, comme les Formules 500 qu'on peut voir qui roulent derrière. Ouais. J'ai été jusqu'en Formule Renault 3.5, c'est la série juste en dessous de la F1 en 2008. Ouais, ouais. J'ai été vice-champion en 2008, j'ai roulé avec notamment Sébastien Vettel. C'est intéressant. Et pas mal d'autres. Et puis après, je suis passé aux 24 heures du Mans. J'ai roulé 3 fois aux 24 heures du Mans. Ah oui. Fait deuxième en GT avec une Corvette 6R. Puis j'ai roulé notamment dans toutes les voitures qu'on a là, mais en version, on va dire, de course, les modèles GT3, les modèles de course. Donc voilà. T'as un bon bagage. J'ai un bon bagage technique, de l'expérience que j'essaye de transmettre en tant qu'on va dire directeur ici à tous mes instructeurs pour qu'on puisse donner le meilleur, on va dire, service à nos clients qui viennent ici rouler avec nos voitures en leur enseignant, donnant le maximum de conseils à travers notre école de pilotage Icar Experience. Et ça débute quand les cours ici? Ça vient de commencer, même si ça démarre un petit peu tard à cause de la météo, parce que c'est pas évident, quand il pleut on est moins à l'aise sur la piste. Donc ça vient de démarrer en fait là, ce week-end, le week-end passé. Et ça se finit quoi, octobre, septembre? Ça finit fin octobre, c'est ça. Okay. Tant qu'il fait pas trop froid sur la piste, que les pneus ont encore une bonne adhérence, on peut continuer à rouler. Après, c'est quand même une bonne saison. C'est une bonne saison. C'est largement assez, on va dire, pour les autos, qui sont quand même... Vous en avez quelques-unes. Combien il y a de voitures ici à Icar Experience? Je dirais qu'on a au moins une vingtaine de voitures pour répondre, on va dire, aux différentes activités qu'on a ici. Okay. En gros, juste pour simplifier, on a les voitures exotiques, donc ce qui est Ferrari, Lamborghini, Nissan GT-R, avec lesquelles donc, on fait les tours, on va dire, avec le grand public et les voitures exotiques. On a aussi des Mustangs ici, donc on fait des cours de pilotage, racing, on va dire, qui sont un peu plus avancés, où vraiment ça va être des sessions où on roule plus longtemps et on va plus rentrer dans la technique de pilotage. C'est des voitures qui sont faites, en fait, je veux dire, pour aller sur la piste, où on peut mieux, on va dire, ressentir la voiture. Ma première question, moi je veux venir suivre un cours de pilotage avec toi, fait que je l'ai déjà fait dans la vie. Je l'ai fait de gauche sur Laval, en fin de compte, dans le NASCAR, mais là je veux me perfectionner dans le circuit routier. C'est probablement la meilleure piste qu'on a au Québec pour faire ça, c'est ici. Toi, tu me suggérais de probablement prendre la Mustang. Alors, les voitures exotiques, c'est pour avoir un bon feeling, un feeling de puissance, voilà, dans la ligne droite, avoir le plaisir de conduire une voiture luxueuse, c'est sûr que ça... C'est vraiment du fun, mais je suggère de conduire une Mustang parce que c'est une voiture qui a une cage à l'intérieur, des sièges baquets où on va ressentir la voiture. La voiture, elle est faite pour rouler sur la piste et donc on va pouvoir apprendre tous les rudiments du pilotage, que ce soit justement avec la boîte manuelle aussi, pour travailler aussi le talon pointe, le heel and toe. Donc en fait, c'est sûr qu'avec la Mustang, il y a vraiment une grande marge de progression et on peut démarrer par le plus bas, apprendre la piste. La piste, comme tu l'as dit, elle est quand même plus ou moins sécuritaire parce qu'ici, on est sur la surface de l'aéroport où ça veut dire qu'il y a quand même les rails qui sont assez loin de la piste. On a du dégagement, donc on a une marge de manœuvre, on va dire, pour faire des erreurs et pour aller chercher la limite de la voiture et de son pilotage. Donc c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut ici pour... Ma question, moi, je prends mon cours, j'arrive ici le matin à 9h. Est-ce qu'on a une session théorique avant d'embarquer dans les voitures? Alors, c'est ça qu'on a des cours pour répondre à tout type d'expérience, on va dire. Donc, il y a pour les débutants. Les gens t'arrivent, vous êtes complètement débutant, vous n'avez jamais fait ça. On a dit différents cours de 10 minutes, de 20 minutes, de 40 minutes, de 90 minutes. Ce qu'on va dire, ça veut dire c'est 90 minutes de roulage dans une journée entière, ce qui fait quand même beaucoup de sessions. Ça fait 5 fois en piste avec des sessions de 20 minutes. Donc beaucoup d'apprentissage. Tous les cours débutent par une session théorique. Quoi qu'il arrive, il faut toujours rafraîchir un petit peu la théorie. C'est important de rafraîchir les bases du pilotage.
Donc tous les cours vont débuter sur une base théorique, et après en fonction de la durée du cours, de la longueur du cours, on va faire des cours théoriques plus longs, plus poussés pour rentrer dans la technique, et on va en refaire plusieurs fois dans la journée pour justement redébriefer tout ça, et à chaque fois on va dire analyser le pilotage de manière à l'améliorer. C'est très professionnel là. Ah ben on fait ça comme il faut, ce qu'il y a c'est qu'il faut vraiment répondre à tous les clients, donc il y a on va dire des clients qui peuvent juste venir s'amuser, faire une petite session de 10 minutes avec une voiture, ça va se passer derrière un pace car, on va augmenter le rythme tour après tour en fonction de la connaissance de la piste. Généralement, n'importe quel niveau, c'est accessible à tout le monde parce qu'on adapte en fait le rythme et la manière dont c'est fait, ça va vraiment évoluer tout de suite pour finir toujours sur une bonne évolution et avoir du fun, on va dire. Donc, j'ai des élèves qui sont un petit peu fébriles en rentrant ici. Vous allez voir, c'est très professionnel. Le monde, tu connais le monde. On est là pour les encadrer. Ouais, les instructeurs sont là pour les encadrer. C'est bon. Et tout se passe très bien ici. On va parler des voitures que vous avez. Là, on a une Mustang. Veux-tu une description de la Mustang? Alors ça, c'est une Mustang GT, donc année 2008. Combien de chevaux? Ça fait environ 350 chevaux. Okay. C'est pas vraiment ce qu'on va rechercher, la grosse puissance, quoique celle-ci un petit peu plus, parce que celle-ci c'est notre pace car, on va dire. Ouais, okay. C'est notre voiture un petit peu leader qui va servir quand on fait les expériences. Okay. Après, on a des régulières qui sont, on va dire, toutes noires pour les différencier. Ouais. Donc voilà. Il y a une cage dedans. Il y a une cage dedans, il y a des sièges baquets. C'est aussi la voiture qui nous sert de hot lap. Ça veut dire que c'est la voiture qu'on va embarquer des gens pour faire des tours de piste, des hot lap, des tours canons, on va dire. Donc c'est-à-dire quand vous venez faire c'est une expérience ici, c'est toi qui conduis. C'est moi ou mes instructeurs. Tu vas nous en donner un hot lap à un moment donné, c'est à sûr. On a vraiment hâte de faire un hot lap avec lui. Donc voilà, donc c'est une voiture qui est vraiment faite pour avoir du fun. La pneumatique. On est donc, toutes les voitures ici sont chaussées Continental, c'est notre partenaire bien sûr au niveau des pneus. Donc toutes nos voitures sont adaptées en différentes tailles. Là on est sur le dernier pneu Sport Contact 6 qui a vraiment un très bon grip. 20 pouces, Ici on a du 19 pouces. Okay. 19 pouces. La voiture qui est entièrement, on va dire, refait au niveau des suspensions et adaptée pour bien ressentir la piste. Faites-vous des ajustements, comme dans une vraie course, mettons la température est plus chaude, donc la voiture est plus sous-vireuse? On va dire que non, les voitures sont réglées, comme tu viens de le dire, d'une tendance plus sous-vireuse, parce que c'est plus facile à prendre en main pour démarrer, on va dire, sur la piste. C'est-à-dire si la voiture est trop joueuse de l'arrière et qu'on vient à faire des têtes à queue, ça devient non sécuritaire. Donc les voitures ont une tendance un peu plus sous-vireuse, et il est clair qu'en fonction de l'année de la saison, on va jouer un petit peu sur les pressions. Ça veut dire qu'en début de saison, quand il fait très très froid, pareil, on est obligé de partir avec des pressions un petit peu plus hautes. Mais en plein été, quand tu vas faire 50 degrés de température au sol, là on est obligé de changer de mais vous les pressions, la suspension. Donc, on ajuste un petit peu quand même, c'est très basique, mais de manière à ce que les autos soient, on va dire, le plus confortable, facile à conduire pour nos clients quand ils viennent ici. Ça, prochaine voiture. Alors les deux prochaines voitures, ce sont des Ferrari 458, je vais mettre ici. 458. Donc c'est modèle entre 2011-2013 pour celle-ci. Ça vaut combien une voiture comme ça, neuve? Neuf, c'est des voitures qu'on parlait d'environ 320 000 $ à peu près. 320 000 $ canadiens seulement. Donc ça, c'est des voitures qui développent 570 chevaux. 570. C'est un V8. Donc contrairement aux nouvelles Ferrari 488, c'est encore des moteurs atmosphériques, ça. Il n'y a pas de turbo sur ces voitures-là. Okay. Alors que les nouvelles sont ressorties en turbo. Donc elles ont un très très beau bruit, celles-ci. Oui. Ces voitures-là ont la particularité qu'elles sont dotées des nouvelles boîtes F1, on va dire, ce qui fait que la voiture, elle conduit toute seule. Ah ouais? Toutes nos clients ici, ils viennent, ils roulent avec la voiture en mode manuel, et la voiture, elle shift et downshift toute seule. Et vous allez voir, c'est hallucinant. C'est-à-dire que pendant le freinage, elle va rétrograder, donner son blip toute seule au niveau du rétrogradage. Ça fait un bruit. Tout le monde c'est capote spécial, sur ça. Pareil. C'est vraiment, on va dire, une voiture très facile à conduire aussi. C'est la voiture la plus puissante des voitures que vous offrez ici aujourd'hui. On a pour le moment, voilà, c'est ça. Celle-là, voilà. C'est la même chose, pas mal. Alors ça, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une Spider. Ok. Ça, c'est sa petite sœur. Ok. Donc ça veut dire qu'on a des voitures un petit peu plus aussi en dessous niveau de gamme, qui reste quand même des très belles voitures, pour répondre à deux forfaits différents. Okay. Parce qu'on a des forfaits un peu plus abordables, des forfaits un peu plus dispendieux. Donc celle-ci, c'est exactement la même chose. Ferrari F430, donc c'est une voiture qui est propulsion aussi, très joueuse aussi, une voiture qui a une très bonne sonorité et qui, on va dire, assez énergique, les Ferrari, parce que c'est des voitures propulsion. Okay. Contrairement à, on va passer donc à la Lamborghini. Donc ça, c'est une Lamborghini Gallardo LP560. Alors la grosse particularité avec les Ferrari, c'est que là, on passe sur un modèle 4 roues motrices. Ok. Okay. Ah, ouais, donc c'est une voiture okay. qui est un petit peu plus confortable. Plus facile à conduire, okay. plus sécuritaire, ouais. naturellement. Donc un petit peu moins joueuse, mais tout de même très amusante, parce qu'on a quand même 500 chevaux sous le capot, avec un V10.
Donc là, la sonorité du V10, bien sûr, aussi prend le dessus. Donc chaque voiture, on va dire, a ses avantages, ses inconvénients, mais toutes des belles voitures. Et la puis, dernière au fond. La dernière au fond, elle est donc aux couleurs de notre partenaire principal, oui. Donc Continental, Nissan GT-R. Alors, une voiture qu'on le sait, qui est un petit peu en dessous, en termes, on va dire, de valeur par rapport aux autres voitures, combien, mais qui a tout le même pouvoir. C'est une voiture qui approche, on va dire, les 100 000 $, mais qui a le même pouvoir que les autres. Parce que là, on est aussi sur une voiture 4 roues motrices, la même chose que la Lamborghini, et on est aussi sur du 500 chevaux, comme la Lamborghini. Pour 100 000 $, tu peux avoir une voiture qui a 500 chevaux, puis qui est pas mal la même endurance qu'une Lamborghini, une Ferrari. La seule différence, c'est que le poids va être un petit peu plus élevé. Ouais. Mais ça, c'est une voiture vraiment double turbo, twin turbo. Donc, la puissance dans la ligne droite, elle est vraiment hallucinante. Ouais. Donc, ça veut dire que en termes de feeling, chaque voiture, on va dire, ses particularités, mais elles sont toutes très puissantes et procurent vraiment une bonne adhérence le long de la ligne droite. Toi, ta préférée dans toutes les voitures, c'est laquelle? Alors, moi, je dirais que j'aime beaucoup la Ferrari 430 parce que c'est une voiture qui est assez joueuse. Un bon ressenti, un bon feeling. C'est sûr que dans un deuxième temps, j'invite tout le monde à venir conduire la Ferrari 458. Sa transmission fait toute la différence. Voilà. La Ferrari 458, ça reste une très très bonne voiture pour avoir un. En début juin, moi et Eric, on est supposé de venir vivre l'expérience. On espère qu'on va travailler avec toi cette journée-là. Ben, je serai forcément là. On veut faire des tours, on veut montrer aux auditeurs vraiment c'est quoi l'expérience ici. On est très très content que tu vas être là pour nous partager ça, nous faire vivre ça. C'est ça. Donc toutes les voitures seront là et puis vous aurez le choix. On pourra pratiquement, à mon avis, toutes les anciennes par une les montrer. En essayer plusieurs. Tantôt, on va te demander si on peut faire un tour de piste avec toi, que tu nous montres le tracé. On va vraiment apprécier ça. On va essayer de faire ça avec... n'importe quelle voiture. Vous avec la GTR, ce sera peut-être la plus silencieuse à l'intérieur. Ça nous permettra de discuter. Sinon, si on prend la Mustang, on ne pourra pas s'entendre. donc, voilà. Fait que je te remercie beaucoup, Julien. Eh bien, écoute, au plaisir de se revoir. Là, on a vraiment hâte d'embarquer avec toi faire un tour, ça, c'est sûr. Il faut. Merci beaucoup.